Ok. Bonjour, bonjour, chers amis ivoiriens. Salut, salut. Voilà, on va. Ok, d'accord. En tout cas, vous êtes déjà connectés. Bonjour à vous tous. Bonjour, chers amis ivoiriens. Bonjour, chers amis africains. Bonjour, chers amis du monde entier. Alors, ce matin, je suis en direct pour qu'ensemble nous revenions sur ces événements qui ont été tellement douloureux. Voilà, événement qui a été imposé par le régime FPI en 2002, que j'ai toujours l'habitude dans mes vidéos de vous expliquer. Je l'ai dit, le combat de notre génération, c'est de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Notre génération ne doit pas trahir son combat. Notre génération ne doit plus rester dans le mensonge, les manipulations, la propagande, la haine et dans les injures. Notre génération doit sauver les acquis. Doit à un certain moment s'asseoir, faire son mea culpa et comprendre qu'à un certain moment donné, on a tous été à un certain moment donné trahis par les uns de nos aînés. Notre génération ne doit pas se laisser prendre, doit pas se laisser prendre en otage, éternellement en otage par les conflits de nos aînés. Il faut maintenant trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, il faut poser le débat. Le débat permettra à la génération actuelle, parce qu'après nous, il y a d'autres générations qui sont là et qui nous suivent. Il faut que ces enfants qui sont là aujourd'hui comprennent ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est vraiment passé en Côte d'Ivoire depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi nous sommes en arrivés là? Pourquoi il y a tant de haine, toute cette division? Il faut dénoncer la malhonnêteté des uns et des autres. Chers amis, mon travail. Je l'assume, c'est un engagement que j'ai pris pour mon pays, que je ne vais pas trahir. Je ne vais pas trahir. Et je continuerai de vous dire ce qui est la vérité. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai condamné le coup d'État de 99. Ça, c'est une chance que j'ai eue. Et nous avons participé à beaucoup d'événements, à beaucoup d'événements dans ce pays. Aujourd'hui, étant hors du pays, je dois me battre pour que la paix revienne dans mon pays. Pour que tout ce qui a été vécu, on ne revive plus jamais ça. Et que ces générations qui sont là, ces enfants qui sont là, ne revivent plus jamais ça. Et le combat que nous engageons, c'est le combat de nos aînés. Que nos aînés aient la paix et la tranquillité. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour ce pays, qui ont tout donné pour ce pays. Aujourd'hui, nous, on doit se battre pour que dans ce pays, nos aînés ne soient plus humiliés. Nos papas, nos mamans ne soient plus humiliés. Les crépitements des armes, toutes ces erreurs-là, il faut maintenant que cela soit corrigé. C'est le sens du combat que Zasso a engagé avec beaucoup de ses amis, que je voudrais saluer. Voilà, que je voudrais saluer tous ces cyberactivistes, Gouza, Johnny Pacheco, Lagi Sherif, Black Samouraï, il y a Léa Kocha qui s'est aussi ajoutée, qui a fait une très bonne vidéo en répondant aux émotions, aux humeurs de certains pro-babos. Que je voudrais encore féliciter, la grande dame soit saluée depuis ta position. Saluer tous ces Ivoiriens dans leur ensemble. Mais avant de commencer, je voudrais vraiment saluer le président Alassane Ouattara et son épouse. Parce que c'est de lui qu'il s'agira ce matin, c'est de lui qu'on va parler. Saluer un grand homme, saluer le fils de Nabitou. Sois salué, papa. C'est notre père, nous tous, c'est notre père parce qu'il fait la fierté. On nous a menti, on nous a dit beaucoup de choses sur lui. Depuis quelques jours, il y a un documentaire qui est sorti et qui circule partout sur les réseaux sociaux. Ça a été même balancé par mon frère Don Giovanni, que je félicite pour la première fois, malgré que dans le temps, bon, d'accord, mais que je félicite et que j'encourage de continuer dans ce sens parce que ce qui doit être important, c'est l'avenir de notre pays. La stabilité, la paix, c'est aussi la paix pour nos parents qui sont en Afrique, nos mamans, nos pères, nos grands-parents. Moi, j'ai perdu beaucoup dans cette crise. Mon père est décédé. Mon grand-père est... Tu vois, beaucoup de... Donc, moi, normalement, ce que je dois faire, c'est de faire de sorte que vous qui avez encore vos parents qui sont là, il faut que vos parents aient la paix. Vous voyez, moi, mon père est parti. Mais vous, là, on doit se battre pour que vos pères, là, ne soient pas humiliés dans les crises. Parce que vous avez pris des positions politiques, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Non. Vos prises de position politique ne doivent pas engager la vie de vos parents. Malheureusement, c'est des choses que nous avons vécues dans notre pays. Alors, maintenant, on va dévoiler les choses, on va parler. Donc, chers amis, je voudrais encore vous saluer, vous qui êtes connectés. Partagez la vidéo, c'est une nouvelle page. C'est une nouvelle page Facebook.
que nos adversaires, ils avaient détruit l'ancien. Malheureusement pour eux, ils ne savent pas que moi, je change. Voilà, moi, je change. Je suis très fort. Donc, on va commencer la vidéo. On va parler de l'assassinat manqué du président Alassane Ouattara. Mais avant de commencer, on va revenir sur la marche annulée des évêques. Les évêques ont annulé leur marche. Je vais d'abord mettre une première vidéo que vous allez suivre suite à la marche annulée des évêques. Et on va passer au décryptage de comment on appelle ça, de ce documentaire. Que je voudrais saluer ceux qui ont, ces journalistes qui ont eu l'idée, une fois, de nous permettre de comprendre réellement ce qui s'est passé en 2000 après l'assassinat de Guéï. Qu'est-ce que le président Ouattara a vécu? On a besoin de savoir. Parce que c'est ce que je disais, j'ai dit au niveau de la communication, le RHDP doit maintenant réussir la bataille de la communication. C'est très important. Pendant des années, les gens ont passé tout leur temps à accuser le président Ouattara. Accuser le président Ouattara de tous les maux. Ils ont accusé le président Ouattara de tous les maux. Nous, on a eu la chance dans les agora parlement, on leur dit que non, il faut qu'on en soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Vous étiez dans le Front républicain avec le président Ouattara. Vous avez refusé de participer aux élections de 95 parce que la candidature du président Ouattara n'était pas validée. Vous étiez dans le Front républicain à 98, à 98, 99. Vous êtes allé au dialogue où, à la dernière minute, Bédier a convoqué le RDA et le RDA a posé pour condition la présence du RDA, comme on appelle ça, du FPI, qui était leur allié dans le Front républicain. Les Diagri-Diabaté ont dit à Bédier que non, nous, on doit faire une grande marche, mais si le FPI n'est pas avec nous, le FPI est notre allié, on ne peut pas trahir le FPI. Si le FPI n'est pas avec nous, nous, on ne dialogue pas avec Bédier. Bon, dès que le RDA a donné le dos, Laurent Gbagbo et le FPI sont allés dialoguer avec Bédier. Vous voyez, ce sont des choses qui sont là, mais ça fait mal au RDA, ça fait très mal au RDA parce que le RDA avait mis toute sa foi au FPI. Je vous l'ai dit dans mes vidéos. J'ai dit, le président Ouattara fait partie des gens qui ont beaucoup financé le Front républicain. Si le président Ouattara, après toutes ces humiliations subies par le régime Bédié, toutes ces humiliations qu'il a subies par le régime Bédié, s'est retrouvé aujourd'hui les mandats d'arrêt, sa résidence qui avait été encerclée par des chats pendant des jours, sa mère qu'on a enfermée dans des commissariats pendant des heures sur des heures pour des questions de carte d'identité et tout ça, s'est retrouvé aux États-Unis. Il a fallu le FPI de Laurent Gbagbo pour aller convaincre le président Ouattara. Le président Ouattara, sa maman, Nambi Toutia, ma mère, ma grand-mère, ma mère que j'adore tant, dont je suis fier dans sa tombe, je lui dis toujours que moi, je prie qu'elle soit sereine dans sa tombe. Tout ce qu'elle a vécu là, c'est un choix qu'elle a fait. Quand tu mets un grand homme au monde, accepte toutes sortes d'humiliations. Et j'ai dit ça aux mamans. Quand tu as mis un grand homme au monde là, attends-toi à toutes sortes d'humiliations. Donc, dans sa tombe là, je pense qu'elle m'a attendu. Elle est actuellement tranquille, elle dort bien parce que je lui ai parlé. Elle a compris. Elle a compris. En tout cas, elle a compris. C'est ça, quand tu mets un grand homme au monde, il faut t'attendre à tout. Tu seras la cible des haineux, des gens inconscients, irresponsables, malheureux et qui ne comprennent rien. Alors, chers amis, et le président Ouattara aller aux États-Unis, il a fallu Gbagbo, une délégation du FPI. Sa maman a dit non. Mon fils, on dit, les cadres qui sont là, qui sont au RDA, eux-mêmes, ils se sont battus pour que le président revienne après les humiliations de Bédié. Il dit, il ne veut pas. Il a fallu Gbagbo et le FPI pour que le président dise, bon, ok, comme vous êtes venus me voir et vous voulez que vraiment on participe à sauver ce pays, moi, le président Ouattara, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, je retourne en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que le président Ouattara a fait confiance à Laurent Gbagbo. C'est pour ça que ce matin, je vais parler aux partisans de Gbagbo. Je vais leur parler, ces gens qui sautent dans ce pays, libérer les prisonniers politiques, libérer les militaires, faites ceci, cela. Si vous ne faites pas ça, ils sont allés chercher vos prêtres. Mais j'ai appris que vos prêtres disent qu'ils ont annulé la marche. Ça, sachez que vous avez annulé vos marches, mais nous, là, on vous suit de près. On ne va pas vous lâcher, hein? On vous suit de près. Parce que nous, on a tiré les leçons de cette crise qui a tant humilié nos parents. On vous suit de près. Or, je salue votre courage, votre sagesse. Mais comprenez que ce sont vos alliés qui vous ont exposé, Bédié et Soro. Et puis Afin Guessant, ceux qui vous ont exposé, hein, ne nous accusez pas.
Nous, on est conscient, on sait qu'ils sont allés vous voir pour dire impliquez-vous dedans. Pour nous ramener encore à ce qui s'est passé en 2000, puis Guéhi est mort. Nous, on a tiré les leçons de la mort de Guéhi. On ne peut pas vous laisser tuer Ouattara. On ne peut pas vous laisser déstabiliser Ouattara. Que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est votre problème. La Côte d'Ivoire est un État laïque. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Nous avons plusieurs religions. Alors, je demande aux religieux de rester dans leurs églises. Restez dans vos églises pour prier. Si vous revenez encore sur le terrain politique, nous, on va vous répondre. Ça dit, en tout cas, mettez ça dans vos oreilles. On va vous répondre. Dans notre génération, on ne va plus mourir pour vous faire plaisir. Nous, on va protéger cette génération qui est là parce que nous, on est conscients. Nous, nous sommes les survivants de cette crise. On a vécu la crise, j'étais à Abidjan. Quand on a arrêté Babou, je sais comment des milliers d'Ivoiriens ont été tués. J'ai vu des choses. Je ne vais pas me laisser faire. Chers amis, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Attachez vos kayouas durs. Où on est allé là, on ne va pas reculer. Faites-moi confiance. Ce pouvoir-là, il est posé. Et personne ne pourra déstabiliser ce pouvoir. Personne. Il y a des gens qui pleurent. Non, les prêtres ont reculé. Nous, on n'a pas besoin de demander pardon aux prêtres. Parce que les prêtres ont participé, ceux qui ont livré Guéhi. Ceux-là qui ont livré Guéhi. Je vous ai dit ici. Ce qu'ils ont fait au Congo, là, ils veulent rééditer ça en Côte d'Ivoire. Afin Guessa Bédié, là, ceux qui ont vendu vos prêtres. Là, ceux qui ont vendu vos prêtres. C'est pour ça que nous, là, on ne s'est pas laissé faire. Là, nous, on vous suit de près. Moi, je vous dis, depuis ici, je suis là. Je vous suis de près, un et vous tous. Je vous suis de près, hein? Je vous suis de près. C'est pour ça que je salue mes amis. Don Giovanni, Johnny Pacheco, Gouza, tout le monde. Mais j'ai appris que Gouza voulait trébucher. Ma soeur, la prochaine fois, il ne faut plus jamais faire ça. Hmm? Voilà, on a engagé un combat, il faut que les choses soient comme ça. Hein? Faut plus jamais, voilà. Parce que nous, là, il y a longtemps, on est dedans. On connaît le fonctionnement de nos aînés. Quand on dit Guéhi a été tué, là, c'est l'église qui a livré Guéhi. C'est l'église catholique qui a livré Guéhi. Voilà, quand Guéhi a quitté à Biakoum, il était bloqué à la GESCO là-bas. Il a grouillé jusqu'à les rentrer à la GESCO. Quand ça n'allait pas, là, il est rentré à la cathédrale. On sait ce qui s'est passé. Où Guéhi allait se cacher là, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'enlever. C'est les prêtres là, les mêmes prêtres là qui sont allés le chercher. Guéhi a demandé pardon, Guéhi pleurait. Donc quand vous parlez là, ouvrez vos oreilles. Ici, là, on n'est pas là pour s'amuser, ce n'est pas émotion ici. Rien qui dit ça dans les émotions. Nous, on a vécu la guerre. Ceux qui ont vécu la guerre ne peuvent pas être dans les émotions. C'est ceux qui n'ont pas vécu qui sont dans les émotions. Vous, vous n'avez pas vécu la guerre. Nous, on était à Bidjan et nos familles, nos enfants. Vous, vous n'étiez pas là-bas, vous étiez hors du pays. Vous dormiez ici avec vos femmes, vos enfants, vous avez tout suivi sur France 24. Ce sont les chaînes étrangères. Nous, on a vécu. La nuit de l'arrestation de Babou, nous, on a vécu tout ça. Les assassinats manqués des personnes, on était à Abidjan. Donc, quand nous, on parle, on est serein. Et puis, on ne va pas se laisser distraire par quelqu'un. Attachez vos ceintures. Moi, je vous ai dit 2020, d'ici jusqu'à 2020, il n'y aura rien. Attachez vos ceintures. Voilà. Ce que vous avez commencé, on va terminer. Des menteurs, manipulateurs comme ça, des assassins, des criminels comme ça. On pouvait empêcher la rébellion de 2002. Cette rébellion, on pouvait l'empêcher. On pouvait empêcher cette rébellion en 2002. Eux-mêmes, ils ont dit ça de leur propre bouche, que Blaise était notre financier. Blaise nous a dit à faire ça, Blaise nous a dit à faire ceci, Blaise nous a... Mamadou Koulibaly l'a tout dit. Je vous ai dit, le président Ouattara n'a rien à voir avec Babou. C'est pourquoi tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas avoir le président Ouattara. Vous n'allez pas l'avoir parce qu'il n'est pas né du système. Quand je dis né du système, là, c'est à ceux-là qu'Oufou a tout donné. Oufou a donné l'université et tout. Il leur a donné des maisons, les bédiers. Oufou a tout fait pour eux. Les babos, là, Oufou a tout fait pour eux. Le président Ouattara, lui, il a bossé. Voilà, donc lui n'est pas né du système. Donc vous n'allez pas l'avoir. Non, allez-y, dis à vos prêtres, les assos, dis. La prochaine fois, il fera des vidéos pour dire au président de la République. Que, monsieur le président, quand vous êtes maintenant, vous êtes depuis des années notre président de la République, ce que les prêtres ont fait là, c'est un message clair, et je voudrais dire aux yeux du monde entier. J'ai dit au chef de l'État, monsieur le président, ces prêtres-là, ce sont vos frères, ce sont vos amis, vous les connaissez très bien. Vous connaissez bien leur fonctionnement. Je prie bien Dieu, équilibrer les choses. C'est très très important, équilibrer les choses, parce qu'on veut les utiliser. Vous voyez que vos adversaires veulent les utiliser. Il faut que tout le monde soit traité de la même manière. Les religieux doivent être traités de la même manière.
Les subventions, si on doit donner 100 millions ici, il faut qu'on donne 100 millions ici. Comme ça, maintenant, en bas là, on peut donner les mougou-mougou, c'est pas grave. Mais on donne ici, même chose, c'est équilibré, on ne va plus les manipuler. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels, je sais de quoi je vous parle. Recevez-les après, parlez avec eux, essayez de leur faire comprendre beaucoup de choses. Les Jean-Pierre Courtois, là, ils sont des politiciens, sensibilisez-les, parce que c'est votre travail, vous l'avez fait dans des grands pays. Faites-les asseoir, faites-les comprendre que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de violence ni de haine. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Parce que la paix, là, c'est pour tous ces musulmans, c'est pour tous ces chrétiens, c'est pour ces évangélistes, c'est de leur paix il s'agit. Quand on est prêtre, on doit prier pour la paix de tous ceux qui viennent dans vos églises. Tous ceux qui viennent dans vos églises, là, ils sont bêtés. Atiers, Koyaka, Senufo, Ébrié, tout ça, et Boutinabe, Malien, comme on appelle Chinois, Américains, c'est tous ceux-là qui viennent dans vos églises. Non, pour eux, là, les débats politiques, là, vous ne rentrez pas dedans. Allez-vous faire manipuler par Bédier, Soro, Afi, pour dire que non, aujourd'hui, là, il faut qu'en 2020, l'église catholique prenne le pouvoir. Il faut que nous, qui sommes les chrétiens, là, c'est nous qui devons prendre le pouvoir. Monsieur le saut Jean-Couac Coutois, viens nous aider. Non, côté Moroni, je vous ai dit ça, c'est quand vous avez commencé, on va terminer. Le sang de Guéhi est versé. Vous avez tenté de tuer Ouattara. Mais après, vous êtes allé vous excuser auprès du président Ouattara pour dire pardon. Moi, je demande au président Ouattara, recevez-les, parlez avec eux, essayez de les sensibiliser sur l'importance de la justice. L'importance de la justice. Essayez de les sensibiliser sur l'importance de la justice et de l'impunité. Dans notre pays, on ne doit plus faire la promotion de l'impunité. On ne doit plus faire la promotion de l'impunité. Moi, j'ai mal que ces prêtres ne comprennent rien. Depuis combien d'années vous êtes mort là, vous qui êtes les prêtres, le pays qui se développe là, vos yeux là, ça ne voit pas. Pays, on est en train de développer route, pont, partout. Et ceux qui viennent rendre prier dans votre église, qui tient dans le monde entier, qui viennent, qui voient que la Côte d'Ivoire a changé, vous les prêtres là, ça voit, vos yeux là, ça ne voit pas. Vous les prêtres là, vous ne voyez pas ce développement qui est en train de se faire dans ce pays. Vous les prêtres là. Vous les prêtres là. J'ai appris que quelqu'un a dit que les prêtres. Non. Je vais dire aux prêtres là. Le développement là, vos yeux là, ça ne voit pas. Au contraire, vous devez être fiers du président Ouattara. Vous devez dire à Soro que nous les prêtres là, on n'est pas contents de toi. Parce que dans le nord là, beaucoup de nos fidèles ont été tués. Dans l'ouest, beaucoup de nos fidèles ont été tués. Dans ce pays là, on a détruit plus de mosquées que d'églises. Dans cette crise là, on a plus détruit les mosquées. Moi j'étais habitant. On a plus détruit les mosquées. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que les religieux sortent du débat politique. Oui, parce que dans ce pays-là, on a détruit plus les religieux, les mosquées. On a aussi protégé beaucoup d'églises. Donc, il faut que les religieux là, sortent du débat politique. Moi, je vous dis ça ouvertement, sortez pas. Si vous ne sortez pas, moi, je vais vous attaquer chaque jour. Pour vous, cela, je m'assois ici, puis je vais vous attaquer. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est parce que vos églises, là, quand il y a les guerres, là, vous, les églises, on vous protège. C'est nous là qui mourons. Parce que nous, on n'a personne pour nous protéger et nos familles. Nous, on est obligé de se débattre comme de beaux diables pour s'en sortir. Moi, quand j'ai rentré ici, là, je sais ce qu'il y a vu dedans. J'ai dit, j'avais un seul pantalon, j'étais à plein meeting. Les gens ont tout pris. Moi, où je suis là, je ne peux plus accepter que ça arrive en Côte d'Ivoire. Alors, donc, dites à vos prêtres que ça soit dit, vous salue pour votre sagesse. Pour votre courage, c'est à saluer. Mais plus jamais, vous vous mêlez d'un débat politique. Si vous vous mêlez encore un débat politique, laissez la fille, les bédiers, autres vous manipuler. Moi, Zasso, je vais m'asseoir sur vous. Là, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas sérieux. Derrière vos soutanes, il y a trop de choses derrière. Mais nous-mêmes, on va prier aussi pour vous. Moi-même, je vais vous confier aussi à Dieu. On va maintenant prier pour tout. Parce que nous tous là, Dieu nous a créés à son image. Voilà, vous avez fait un choix d'être prêtre. Nous, on a décidé d'être politicien. Chacun doit être de son côté. Que Dieu nous bénisse. Alors, chers amis, on va revenir à l'assassinat manqué du président Ouattara. Mais pour commencer, je voudrais saluer le président de notre parlement, Amadou Soumaoro, qui est actuellement au Sénégal. Qui est au Sénégal actuellement, qui a une grande réunion de l'APF. Saluer nos présidents des institutions,
voilà, le Conseil économique et social, le Sénat surtout, voilà. Pourquoi je tiens beaucoup à nos institutions? Parce que je suis pour qu'il y ait vraiment la paix. Il y ait la paix dans notre pays. Et ce travail reviendra véritablement à nos institutions. Il faut que nos institutions, notre Assemblée nationale, se battent pour trouver des solutions aux problèmes africains. Au lieu de toujours passer le temps à condamner là. Battez-vous pour trouver des problèmes aux solutions de nos États africains. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Nous comptons sur vous, nos aînés. Qui êtes à la tête des institutions, faites votre travail. N'acceptez plus que dans ce pays, des députés s'impliquent dans des coups d'État, dans des déstabilisations des États. C'est pour ça que moi, je salue la levée de l'humilité. Monsieur le Président, vous et vos députés, moi, je vous salue. Vous et de vos députés, moi, je vous salue et je salue votre courage. Levez l'humilité de tous ceux qui veulent faire des coups d'État, déstabiliser ce pays, vont aller devant la justice. Personne ne viendra les défendre. Chacun ira devant la justice. Il n'y a que la justice qui peut nous réconcilier. Alors, chers amis, on va commencer par l'assassinat du président Ouattara. Vous avez vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo, on appelait ça 66, 69 jours, ou le temps des assassins. 69 jours, ou le temps des assassins. On va revenir à la rébellion de coup d'État, la rébellion de 2002. Depuis quelques années, j'ai fait des vidéos où je vous ai toujours dit Gbagbo pouvait empêcher la rébellion de 2002. Je vous ai toujours dit que la rébellion de 2002, là, Gbagbo pouvait empêcher ça. Parce qu'elle est la conséquence des différents événements que nous avons connus avant que Gbagbo ne soit président. Le boycott actif. Le coup d'État de 99 qui a été même salué. Dans ce coup d'État où étaient impliqués les leaders Kouassi, beaucoup de cadres du FPI, j'ai dit toujours leur nom parce qu'ils sont vivants, ils ne sont pas encore morts. Ils sont là. Voilà, pardon qu'ils sont là, moi je ne peux pas mentir sur eux. Ils sont vivants, je pense qu'ils viendront se défendre un jour. Voilà. Donc, chers amis, partagez la vidéo. Attendez, une heure, je n'ai pas encore partagé moi-même. Je partage rapidement et puis on va ensemble, on va aller fort. Voilà, je vais partager. Bon, Zasso partage. Oui, Zasso partage. Voilà, Zasso partage. C'est quoi? Voilà, Zasso partage. Voilà, ça c'est partagé. Zasso a partagé. Maintenant, je vais encore partager de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont... Chers amis, partagez aussi. C'est une nouvelle page. Voilà, on le fait pour permettre à nos amis africains de comprendre véritablement ce qui s'est passé dans notre pays. On va dire aux gens que les gens ont failli tuer le président Ouattara. Comme eux, depuis un certain temps, 10 ans, c'est eux seuls qui ont parlé. En 10 ans, c'est eux seuls qui parlaient. Maintenant, nous aussi, on va parler. Voilà, nous, on va parler. C'est le moment de parler pour équilibrer les choses. C'est le moment de parler. J'ai appris que Soro dit... En Côte d'Ivoire, que les chrétiens ont été empêchés de marcher. Mais Diom Soro, dans le nord, là, tu as tué beaucoup de chrétiens. À l'ouest, tu as tué beaucoup de chrétiens, tu as humilié les chrétiens. Ceux qui te suivent, là, c'est pas, ils ne comprennent rien. Sinon, normalement, un chrétien, un vrai chrétien, un croyant, sincère, l'homme qui croit en Dieu, là, il ne peut pas jouer ton jeu, Soro. Un vrai chrétien ne peut pas jouer ton jeu. Il faut que ce soit les hypocrites et les malhonnêtes qui se cachent derrière la Bible et qui disent chrétiens, là, c'est qui vont te soutenir. Mais nous, les vrais hommes de Dieu, nous qui croyons en Dieu, là, nous qui prions matin, on met nos genoux à terre matin, puis on dit Seigneur, pardonne-nous. Ce n'est pas nous qui allons soutenir ta comédie. Son. Tu as humilié trop les gens des chrétiens, les musulmans, tu les as humiliés dans ce pays. Donc arrête de distraire les gens, Diom Soro. Arrête de distraire les gens. Voilà, chers amis, on commence par la vidéo. Avant de commencer la vidéo, on va s'inspirer un peu rapidement. Champiculo! Les gens n'ont rien vu encore. Ils n'ont encore rien vu. On va leur parler. On va leur parler. Ils ont peur, Champi. Ils ont peur.
Ils ont peur. Ils ont pas, on n'a pas encore commencé. Soyez vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté de Dieu. Et le président Ouattara a été établi par Dieu. Vous ne pourrez rien. Merci là-bas, Champi. Quand c'est que Dieu a créé, la personne ne peut détruire ça. Vous voulez sa mort, vous voulez le déstabiliser. Vous avez essayé, mais vous n'avez pas arrivé. Champion Kilo! Merci champion. On va commencer maintenant la vidéo. Il faut déstresser les gens. Ne soyez pas stressés les gars. Soyez calmes. C'est prendre qui est au pouvoir. N'ayez pas peur. Soyez serein. Ok, on commence. Mais je vais vivre une expérience unique et marquante en me retrouvant confiné à la résidence de France chez mon père pendant 69 jours avec Alassane Ouattara et ses proches. 16 ans après, je reviens en Côte d'Ivoire pour les retrouver et leur faire raconter l'histoire de cette crise. Alors, la vidéo sur YouTube, c'est 69 jours ou le temps des assassins. Le temps des assassins, c'est suite à la rébellion de 2002 pour tous ceux qui ne savent pas. Et à chaque fois, je dis toujours aux Ivoiriens, je le répète, avec courage, et que notre rébellion, la rébellion de 2002, c'était du faux. Moi, j'ai dit c'était du faux. Il y a eu trop de faux derrière. Avant cette rébellion, je vous ai dit ce qui s'est passé dans ce pays. Guéï avait fait le coup d'État pour régler les problèmes des opposants d'alors. Pour régler les problèmes des opposants d'alors qui se battaient ensemble contre Bédié. Qui se battaient contre certaines injustices sous le régime Bédié. Et notre, le mal de notre pays a commencé par lui qu'on a Bédié. C'est lui le vrai mal. C'est-à-dire l'origine de nos souffrances aujourd'hui. C'est lui qu'on a Bédié. C'est pour ça que moi j'ai mal quand je vois les prêtres encourager Bédié à être candidat. Normalement, les prêtres, là, s'ils veulent la paix, ils doivent aller voir Bédié pour dire Bédié, le président Ouattara dit veut une nouvelle génération. Toi, il faut te retirer. Les prêtres là doivent dire à Babo, il faut te retirer. Parce qu'on a trop fait, on a fait tellement de mal, il faut qu'on se retire. Parce que nos péchés sont trop. Guéï est mort. Ceci, cela, sa femme a été tuée. On a voulu même aller tuer le président Ouattara. Ils sont allés chez lui. Mes chers amis, moi, j'ai été à la résidence du président Ouattara. Quand vous arrivez à la résidence présidentielle, ce qu'on vous a construit, vous allez voir la résidence de Bédié. Après la résidence de Bédié, vous allez voir la résidence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Ça, c'est la voie qui mène vers le Kodjo. C'est la voie qui mène vers le Kodjo. Je suis allé voir de mes propres yeux la résidence du président Ouattara. Chers amis, quand vous voyez la voie de Lokodjoro, il y a une petite voie ici, il y a l'ambassadeur de l'Allemagne, on trouve la résidence du président Ouattara d'abord, et on trouve l'ambassadeur de la résidence de l'Allemagne, et il y a une voie qui descend comme ça, qui va à Lokodjoro. Je suis rentré dedans. Moi, je suis curieux, je veux voir les choses. Mais ce que j'ai vu dedans, j'ai dit, quand vous voyez porte là, c'est porte blindée. Les gens ont saccagé ça, ils sont rentrés. Ils ont, ça dit, les toits de la maison. Ils sont tous saccagés. Il y a même une porte blindée dedans que j'ai vue. Vous allez voir, ça fait face sur la lagune.
Je suis allé, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux. Si tu vois ça, s'ils avaient attrapé Ouattara, ils allaient le tuer. Ça, ce n'est pas un débat. Ce que la vidéo vous dit là, c'est la vérité. C'est pour ça que je voudrais, avant de commencer cette vidéo, je vais prendre quelques séquences et puis on va frapper fort, on va avancer. Pour mettre fin au crime et dans ce pays-là, pour ne plus jamais faire la promotion de l'impunité. Je voudrais saluer un grand monsieur qu'on appelle Soro Jean-Baptiste. Soro Jean-Baptiste était chargé de la sécurité du président Ouattara. C'est un gendarme. Il est aujourd'hui chargé de mission à la présidence. C'est l'un des hommes sûrs du président de la République. Quand vous avez regardé la vidéo, le ministre Adama Poukara, qui est le médiateur, dit dans la vidéo que je n'ai jamais vu Jean-Baptiste lever la voix contre le président. Mais ce jour-là, Soro Jean-Baptiste a levé la voix contre le président. Cher aîné, cher grand frère, moi je voudrais vous dire merci. Je chercherai un jour à vous connaître, à vous saluer et à parler avec vous. Parce que c'est important. Après ce documentaire, nous on a aussi besoin de comprendre beaucoup de choses parce que nous sommes engagés dans un combat. Merci pour avoir été là. Merci pour avoir été là. C'est ça, un chef de sécurité. Pour la vie de ton patron, si tu dois prendre le risque, il faut prendre le risque. Tu as osé, tu as pris le risque. Tu dis, président, descends. C'est chaud, c'est pas bon. C'est pas bon, tu dois quitter ici. Tu dois quitter ici. Tu as tout fait, tu as fait sortir le président Ouattara de là. Je voudrais vraiment, cher ami, vous dire merci. Merci parce que vous avez été là. Merci. Ce jour-là, merci. Parce qu'aujourd'hui, là, le résultat, on le voit. Si le président Ouattara avait été tué ce jour, est-ce qu'on aura aujourd'hui des ponts? Est-ce qu'on aura aujourd'hui des échangeurs? Est-ce qu'on aura aujourd'hui des routes? Est-ce qu'on aura aujourd'hui un beau pays? C'est pour ça que je dis, tout ce que Dieu a tracé, personne ne peut détruire. Quand Dieu t'a choisi pour une mission, ceux qui vont te combattre, ils vont tomber. C'est pour ça que j'ai dit à nos prêtres, j'ai dit à certains qui m'ont appelé, je leur ai dit, Ouattara, quittez dedans. Quittez dedans. C'est moi qui étais dans les agora parlement. Moi, j'ai dit à Babo que Babo doit réhabiliter le président Ouattara. Dans les agora parlement, très tôt, j'ai interpellé Laurent Babo. On dit, Zasso, c'est ton frère. J'ai dit, comme vous dites que c'est mon frère bété, je l'interpelle. Parce que la meilleure façon de dire la vérité à son frère, c'est de l'interpeller, lui dire la vérité. Laurent Babo, il faut réhabiliter le président Ouattara. Malheureusement, Laurent Gbagbo est rentré dans le jeu. Ça dit, il a suivi les traces d'Henri Konan Bédié. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, Gbagbo qui avait été à la résidence de Bédié, quand Bédié a lancé le mandat d'arrêt contre le président Ouattara, mais c'est Gbagbo qui a pris une délégation du FPI, qui allait encercler la résidence du président Ouattara, ils étaient dedans. Malgré les chars, vous avez bradé ça, vous étiez dedans. Parce que votre combat, c'était un bon combat. Malheureusement, quand Gbagbo a pris le pouvoir vers leur conflit, il n'a même pas aidé Guéhi. Ils ont joué à Guéhi. Moi, je vous ai déjà tout expliqué. Je n'ai plus rien. Allez-y sur mes anciennes vidéos, vous verrez tout dedans. Guéhi ne voulait pas être candidat. C'est Laurent Gbagbo, le FPI et vos prêtres là qui ont encouragé Guéhi à être candidat. C'est eux qui ont encouragé Guéhi à être candidat. Quand Guéhi a commencé à faire des tournées d'État, la vie que les Ivoiriens le saluent, Papa Noël, ils ont dit, Guéhi, tu peux être maintenant président. Organise les élections avec la complicité des anciens fascistes. Les Serge Kassi, je vous ai dit, les Serge Kassi n'ont pas pleuré Guéhi. Alors que c'est des gens à qui Guéhi a donné l'argent. C'est les étudiants là qui étaient à l'université qui applaudissaient Guéhi, qui étaient autour de Guéhi, c'est eux qui manipulaient Guéhi. Quand en 2000, Gbagbo et Guéhi ont commencé à se battre, les Serge Kassi ont tous quitté Guéhi. Quand ils ont vu que Gbagbo était en bonne position, ils ont tous quitté Guéhi, Robert. Ils sont allés rejoindre Gbagbo. Avec la complicité de certains soldats, des gendarmes, des officiers, des responsables de l'armée qui font des études. Vous, on vous manipule. Au lieu d'être des soldats de la République, vous, vous êtes des soldats au service, vous devenez des mercenaires, des assassins et des criminels, des faiseurs de coups d'État, des soldats, des officiers, des responsables qui ont fait des études, des intellectuels. On les transforme en des chars à canon. Ils tuent, ils violent. Ils n'ont aucun respect pour la vie des gens. Parce qu'ils portent la tenue militaire.
La tenue militaire n'est pas pour tuer, n'est pas pour faire des coups d'État. Même si on vous envoie d'aller tuer un homme politique, là, dites que non, ce n'est pas normal, ce n'est pas notre métier. Nous, on est là pour protéger tout le monde. Laurent Gbagbo, en 2000, Blaise Compaoré, j'ai parlé la fois dernière de Boga Doudou. J'ai parlé des problèmes de Boga Doudou. Boga Doudou est la seule personnalité. Écoutez-moi très bien, vous qui êtes Dida, Bété, et qui criez tout sur les toits. Vous qui criez sur tous les toits. On n'a qu'à libérer les prisonniers. Ouattara est dictateur. Ouattara est ceci. Ouattara est cela. Ouattara est comme ça. Ouattara n'aime pas la paix. La paix, c'est libérer Gbagbo ou rien. On ne va pas les libérer. C'est moi qui vous dis ça. Ils vont. Tant qu'ils n'ont pas confessé, tant qu'ils vont assumer leur crime, justice sera rendue. Oui, justice sera rendue. Hein? Justice sera rendue. Gbagbo est en train de payer pour lui. On attend comment ça va se passer. Le jour, dans ce pays, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, faire la promotion de l'impunité. Laisser les gens tuer. Et puis, on a dit libérer, là. On n'est pas dedans. On n'est pas, pas dedans. Ça, il vous le jure. Je ne suis pas dedans. Parce que moi-même, là, on a failli me tuer. Je sais ce que j'ai vu dedans. Non, je ne peux pas laisser quelqu'un me distraire. Si on me tuait, là, qui allait s'occuper de mes enfants aujourd'hui? Qui allait s'occuper de mes enfants? On a tué des gens, des babris, les quoi? Les camarades H. Qui n'est pas mort? Qui s'occupe aujourd'hui de leurs enfants? Qui s'occupe de leurs enfants? Qui s'occupe de leur famille? Vous allez finir de tuer des gens? Vous allez venir crier, on n'a qu'à vous pardonner? On n'a qu'à vous libérer? On n'a qu'à aller à la paix? La CIA est comme ça. La CIA est ceci, bande de criminels. Et ils se cachent toujours derrière des faux trucs. Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, après le coup d'État manqué contre Guy Robert, des soldats sont allés attaquer la résidence de Guy. Des soldats sont allés attaquer la résidence de Guy. Les mêmes soldats l'ont fui, se sont retrouvés au Burkina. Ceux qui ont fait le coup d'État de 99 que le FPI a applaudi. C'est d'eux que je parle. Hein? Parce qu'il faut que les propres Gbagbo les attendent. Ben, ils sont sur la table pour insulter ta mère quand ton tête est ici, ta tête c'est là. C'est pas de ça qu'il s'agit. On dit venez en parler. Nous, on vous attend maintenant, vous avez une grande gueule. Venez en parler. Moi, c'est Prado, ça est dans mon sang. C'est quand vous avez commencé à terminer. Je vous dis ça toujours. Voilà. Nous-mêmes, là, avant, on a été bandits. Donc, le reste, ça ne nous dit rien. Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. Vous qui êtes les gars là-bas, vous ne pouvez pas. Même vous, les soroïs, ce n'ont qu'à vous associer. Vous ne pouvez rien faire. On fait plus, vidéo contre les assauts. Venez faire vidéo. Venez faire vidéo. Ils vont faire réunion. On fait plus vidéo contre les assauts. On attaque. Celui qui attaque Ouattara, il a attaqué les assauts. Ça, là, seulement ne jouez pas avec vous. Non, ne jouez pas avec ça. Celui qui attaque le président Ouattara m'a touché. Même si je dors quand on me réveille, je vais venir vous répondre. Ça, c'est clair. Si je dors quand on dit, donc quelqu'un a dit ça, je vais me réveiller, je vais venir t'écouter d'abord. Si ce n'est pas bon, je vais prendre ma caméra, je m'assois là et puis je t'interpelle en même temps. Pour que le monde soit bien informé. Chers amis, Blaise Compaoré a appelé Gbagbo. Et Blaise Compaoré lui a dit. Blaise Compaoré vit, hein, il a Abidjan. Blaise Compaoré a Abidjan. Gbagbo a la CPI, Blaise Goudier. Et tous ce sont là. Afin Guessin là. Ce premier ministre qui était là et puis la Côte d'Ivoire a connu la rébellion. Un premier ministre, lui, s'attaque à Afin Guessin. Toi, tu t'attaques à Gon Koulibaly. Toi, Afin Guessin, tu étais là et puis la Côte d'Ivoire était coupée en deux. La Côte d'Ivoire était coupée en deux. Toi, Afin Guessin, honte à toi, oh honte, oh honte à toi, oh honte. Un gouvernement d'incompétents. Et c'est eux qui critiquent. Normalement, c'est pas dans vos partis là, il n'y a pas de cadre. Sinon, vous tous, on vous balaye. Et puis, on met de nouvelles personnes. Mais comme c'est un club d'individus qui ne comprennent rien, c'est normal qu'on gère leurs émotions. La blesse qu'on parle dit à Gbagbo. Les enfants sont ici, il faut venir, on va discuter. Viens, on va discuter, on va trouver une solution. Négociation a été difficile. À la dernière minute, ils acceptent, après la tentative de coup d'État, manquée contre la RTI, ils acceptent maintenant de discuter. Blaise dit, bon, les premiers éléments, là, allez-y dialoguer. Ceux qui sont venus dialoguer, là, on a arrêté certains, les amis. Ce que Ibé a dit, là, c'est vrai. On a mis beaucoup en prison, on a tué d'autres. Voilà, c'est ça notre politique. C'est ça. La crise, la presse, toutes les presses ont informé le régime Gbagbo qu'il y a une rébellion qui se prépare. Laurent Gbagbo assis à Abidjan avec son Abdourahman Sangaré, l'homme qui est mort, qui est parti. Abdourahman Sangaré qui était à la tête des boycotts, des quoi, qui n'avait pas honte et puis qui est parti.
il était ministre des Affaires étrangères. Lida Kwasi était ministre de la Défense. Afi était premier ministre. Boga Doudou était ministre de la Sécurité. Boga Doudou est la seule personnalité. Boga Doudou est la seule personnalité qui a dit dialoguant avec Blaise. Je parle à mes parents Dida, parce que bientôt je viendrai à Lakota. Je serai à Divo, partout, et je vais vous parler. Parce que les temps qu'on se dise la vérité maintenant, parce qu'on vous a trop menti. On vous a trop menti. Boga Doudou a dit, Boga Doudou leur a dit, allons-y dialoguer avec Blaise. Ils disent, ils ne dialoguent pas. Ils sont là, puis je parle. Hein. Ils sont là, ces hypocrites aujourd'hui qui se disent, ils sont saints. Nous, on est saints. Nous, là, on n'est pas dans la rébellion. Nous, on n'est pas ceci. Des vrais rebelles, ce sont ceux-là. C'est les vrais rebelles, là. C'est eux qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ces gens-là. Ne leur faites pas confiance. Hein. Moi, j'ai plus confiance à ces gens-là. Il ne faut même pas, ils vont compter sur moi. Et puis, je ne vais plus. Si vos femmes préparent là, ne m'invitez pas à manger. Moi-même, je ne vais pas manger chez vous aussi. Si j'arrive à bien, celui qui ne mange pas chez vous. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Boga Doudou a insisté. Il faut qu'on dialogue. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Djibril Bassolé appelle Boga Doudou à la dernière minute. Il dit, Boga, nous, le Burkina, on ne peut pas garder les rebelles sur notre territoire pendant des années. Parce que ça peut retourner contre notre régime. Parce que c'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est avec l'onction de Gbagbo que Blaise acceptait les rebelles au Burkina. Il acceptait ces jeunes qui attaquaient la résidence de Gueye. Ah oui, parce que le vrai ami de Gbagbo, c'était Blaise. Blaise est le meilleur ami de Gbagbo. Et ils savaient tous. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont devenus orgueilleux. Et c'est comme ça, ils sont. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils commencent à avoir un peu d'argent dans leur compte. Ils commencent à avoir deux, trois femmes. Ils commencent à avoir des maisons. Ils peuvent payer billets d'avion. Ils deviennent maintenant orgueilleux. Tout ce que tu vas dire, ils ne vont plus t'écouter. Parce que pour eux, ils sont au pouvoir, la vie se limite là. Non, il ne faut pas que les choses fonctionnent comme ça. On est au pouvoir pour servir un peuple. On est au pouvoir pour se mettre au service des autres. On n'est pas au pouvoir parce que bon, il va. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est les vraies erreurs de nos hommes politiques en Afrique, c'est ça. Ils deviennent sous, ils deviennent orgueilleux. Ils ne décrochent plus les téléphones. Même quand tu veux leur donner conseil, même ils sont plus prêts. Ils deviennent aveugles maintenant. C'est comme ça ils sont. Ils sont comme ça. C'est comme une jeune fille qui vient de découvrir un homme, elle est amoureuse. Tout ce qu'on va lui dire, on dit lui là, c'est un voleur. Elle s'en fout. C'est le jour où ça devient autre chose là. C'est là sa rencontre. C'est quand elle commence à prendre grossesse et puis refuse grossesse là. C'est là qu'elle commence à comprendre que quand les assos parlaient, elles avaient raison. Chers amis, Boga Doudou. Boga Doudou a dit à Djibril Bassolé, il a dit au cadre du FPI, il dit, moi, je vais aller discuter. Il dit, moi, Boga, je m'en ai discuté. Si vous ne voulez ou vous ne voulez pas, il dit, non, Boga, il ne faut pas partir, nous, on a les armes. Ils vont rentrer d'abord. On va arriver à l'assassinat du président Ouattara. Ils disent, ils vont rentrer, il ne faut pas en dialoguer. Boga, nous, on a les moyens, on va les détruire, on va les anéantir. Laissez Blaise là-bas, on ne parle pas à Blaise. Quand ils vont rentrer là, on va les encercler et puis on va les éliminer. Il n'y a pas de problème. Boga s'est entêté. Boga Doudou dit non, il ne peut pas. Parce que Blaise est nous. Blaise là, il a beaucoup fait pour nous. Si Blaise nous interpelle sur cette situation, il faut qu'on dialogue. Il dit, je ne veux pas. Donc Boga Doudou s'est levé de lui-même face au Simon Gbagbo, le leader Kwasi. La fille Nguessant, Boga Doudou s'est levé lui-même. Il a dit niet à Gbagbo. Il a pris son billet lui-même. Il allait en France. Il allait rencontrer Djibril Bassolé. À son retour, Boga Doudou est mort. Dès qu'il est rentré là, Boga Doudou n'était pas, les dernières minutes là, il n'était pas accepté par des cadres FPI. Dès que Boga Doudou est rentré en Côte d'Ivoire, Boga Doudou a été tué. Un ministre de l'Intérieur. Avec toute la sécurité, on a tué facilement Boga Doudou. C'est pour ça que j'ai dit aux gens du FPI, mais dites-nous, qui a tué Boga? Qui avait la sécurité quand Boga n'était pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on nous parle. Parce que Boga Doudou a désobéi aux uns aux autres, dit lui, veut dialoguer pour ne pas que le coup d'État rentre en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que les Ivoiriens meurent. Boga Doudou a pris le risque. Qui a tué Boga Doudou? On leur a demandé dans les agora parlement. Ils ne pouvaient pas répondre que c'est Ouattara.
C'est les rebelles. C'est pas les rebelles. C'est ceci, cela. Chers amis, on va commencer par la deuxième minute. Boga est mort. Sa femme s'est débattue pour qu'on sache, pour qu'elle sache simplement qui a tué son mari. Personne. Tous les cadres du FPI sont restés muets avec des militants qui sont là en direct. Gbagbo est saint. Et tous, ils sont saints. Des démons comme ça. Ils ont tué Boga Doudou. Ils ont tué Boga Doudou. Ils sont allés mentir à mes parents Dida. Ils sont allés mentir au Dida pendant des années. Je leur ai dit, vous allez mentir, mais un jour viendra, vous allez dire la vérité. Un jour viendra où vous allez dire la vérité. Les Dida là, ils seront. Mais c'est le jour quand les Dida vont savoir que vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est moi qui vous dis. Le jour où quand les Dida vont savoir que Boga Doudou a été tué, et ce que vous avez dit dans le temps n'est pas vrai, vous allez voir dedans. Ils ne seront plus vos militants. Ils ne seront plus vos militants. Pas les Dida vont se révolter. Parce que vous les avez opposés par votre mensonge. Sœur parent Dida, Boga Doudou, a dit qu'il va au Burkina pour négocier à Blaise en France, à Djibril Bassolé. Boga Doudou a dit, lui, il doit dialoguer pour ne pas qu'il y ait la guerre. Boga Doudou était le ministre de la Sécurité. Il savait que tout était pourri. Il fallait prendre ses responsabilités. Tous ces gens-là n'étaient pas d'accord avec lui. Boga Doudou est venu le bon premier. Jusqu'à même, il saute clôture de sa maison. On la bat. Ça a été trop facile, sa mort. On finit, on s'en va prendre Guy Robert. On tue en même temps sur le champ Guy Robert, qui rentre à la cathédrale à la complicité de vos évêques qui sont dans des soutanes souillées. Ces prêtres, des soutanes souillées. Ils livrent Guy alors que c'est eux qui ont créé les affaires entre Guy et Gbagbo pour qu'ils aillent aux élections. On est quatre rois très bêtis. Ils finissent de tuer Guy et sa femme. Maintenant, c'est le président Ouattara, ils vont tuer. On va regarder le documentaire. Prado va parler. Il a pointé son âme sur elle. Et il y a un autre qui a crié, non, non, ne tire pas, laisse-la. Et c'est là, nous sommes séparés, on n'a plus revu Madame Guy, elle a suivi les autres. Nous ont demandé les clés, les chambres. On m'a dit qu'on n'est pas, on ne monte pas ici. Nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine. On ne monte pas dans les appartements. Et l'autre m'a mis son canon derrière ma nuque. Il m'a dit, toi tu bavardes trop. Tu vas voir, vous allez nous donner les clés. Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'ouvre. On est resté là-bas longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Madame Gay a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflé deux fois et après on lui a tiré des coups de feu. Elle est tombée, il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général Gay, de nombreux militaires de sa garde rapprochée se trouvent encore dans la maison. Vous savez, le capitaine Fabien Koulibaly, le lieutenant Thiébaut Koulibaly, le caporal Georges Kouadio, le caporal Lama Karamoko, le caporal Diomandé Bonfils, le caporal Blé Maninga, le caporal Bamba Suleiman, le sergent Loi Pascal. Ce jour-là, c'était les militaires qui étaient des gardes. Ils ont tous été tués, hein? Ils ont tous été tués. On tue des gens comme ça. Yako, maman, Yako. Ils m'ont rien fait, ce qu'ils ont amené. On rend justice à tous ces enfants qu'on a tués, qu'on a arrachés à leur famille. Maman, justice sera rendue. Justice continuera d'être rendue sous le pouvoir du président Ouattara. Nous n'allons pas lâcher. Justice continuera d'être rendue. Maman, justice continuera d'être rendue. Et la justice a déjà commencé son affaire avec les CKCK. CKCK était l'homme de Simone Gbagbo. Quand Gbagbo aujourd'hui, puis Simone ne s'attendent pas là. Il y a des gens qui parlent. Je les regarde, mais je vais vous répondre.
Quand Gbagbo et Simon ne s'entendent pas aujourd'hui, là, il y a un problème. Vous pensez que Gbagbo, c'est un idiot? Vous pensez que Laurent Gbagbo, il est bête? Souvent, les femmes, quand on les épouse, là, il faut qu'elles apprennent à avoir leur place à un certain moment donné de l'histoire. C'est pour ça que je suis fier de l'épouse du président Alassane Ouattara. Elle connaît sa place. Elle connaît sa place. Chez nous, première dame, on dirait celle qui est la prête. Ça veut dire que celle qui... Mais ça veut dire quoi? Seka, Gbagbo est en Italie. Je vous ai dit, moi j'ai rencontré Lida Kwasi, m'a déjà donné sa position sur ça. Seka, zélé. Un soldat zélé. Irrespectueux, gonflé. Tu es soldat de la République. On t'envoie aller tuer des gens, tu les tues de bobé. Et vous mettez aujourd'hui dans le cadre de vos sales comportements des cadres FPI. Dogo Blé est dans des problèmes. Dogo Blé, c'est un grand soldat. Vous avez piégé Dogo Blé. Vous avez piégé Dogo Blé. Dogo Blé n'est pas chef d'état-major pour engager des guerres. On est chef d'état-major. Quand le chef d'état-major dit qu'il ne peut pas faire ceci, mais arrêtez. En 2010, on a vu. Le ministre de la Défense, Lida Kwasi, est là. On ne consulte pas Lida Kwasi. On s'en va tuer Boga Doudou. Et on s'en va tuer Guy Robert. On tue sa femme. Un pouvoir qui avait des hommes parallèles. Personne ne contrôlait personne. La rébellion de 2002 est un système. On a voulu ce cafouillage. Profitons de ce cafouillage pour régler des comptes. Mais ça a été douloureux. Gbagbo était en Italie. Et chacun sur le terrain faisait ce qu'il voulait. Chacun appelait son ami. Fais ça. C'était un désordre total. J'ai compris pourquoi ils n'ont pas empêché la rébellion de 2002. Déjà, c'était pour tuer ces personnalités qui allaient construire aujourd'hui nos ponts, nos routes et nos échangeurs. Mais vous voyez comment Dieu est fort. Vous voyez comment Dieu est fort. Dieu a épargné Ouattara. Et vous êtes là, vous faites du chantage. Mon épouse avec Dominique. Après, on lui a parlé. Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un chat, il est facile de se dire que c'était pas vraiment pour s'amuser. Ce monsieur qui parle s'appelle Soro Jean-Baptiste. Celui que je présente actuellement s'appelle Soro Jean-Baptiste. Celui qui avait en charge la sécurité du président Ouattara. Salut, j'ai dit bravo, merci mon général pour tout. Aujourd'hui, il est général à la retraite. Voilà, il a été monté, on l'a monté au grade de général, mais il est à la retraite. Maintenant, il est chargé de mission. En tout cas, je profite encore de cette vidéo pour lui dire mille fois merci. Merci, grand frère, merci pour tout. Comme je l'ai dit, Dieu passe toujours par des gens pour sauver des gens. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre président, dont nous sommes aujourd'hui fiers. Merci, grand frère. Mon épouse avec Dominique pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois, le 22 ou le 23 septembre. Alors, j'étais chez moi et vers 10h30, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que, paraît-il, que le général Gay, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gay et que ça semble n'avoir pas bien tourné et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un chat, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser et que donc il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ça soit tard. Le 19 septembre, très tôt le matin,
On a entendu des coups, des tirs qui détonnaient un peu partout, pas loin de chez nous, parce que dans la rue parallèle... On va avancer dans la vidéo. Comme vous avez déjà beaucoup regardé, on va aller à la 30e minute, à la 20e... Et de l'autre côté, la peur d'être exclue. Je vois pas. Mais la période, discours voilà, à travers la petite 35. Le bruit des tirs résonne encore dans Abidjan ce 19 septembre 2002. Et la menace est toujours présente devant la résidence des Ouattara. Un char de la présidence, le Komoé, essaye d'enfoncer le portail. À l'intérieur de la maison, il faut s'organiser. Ce jour-là, par miracle, il y avait une échelle. Je savais, en tant que responsable de la sécurité, qu'il pourrait avoir des problèmes et que je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit. Et même passer par la porte, il se pourrait que je ne puisse pas le faire. Donc je m'étais organisé et je faisais en sorte, à chaque fois que les employés finissent de travailler, ils avaient une échelle. Je m'organisais à la mettre quelque part, sachant que je peux en avoir besoin. Et donc, c'est cette échelle, ces jours-là, que j'ai utilisée. Je l'ai placée et je les ai fait passer par cette échelle dans la cour de l'ambassade d'Allemagne, les uns après les autres. Et après, j'ai tiré l'échelle avec nous, parce qu'elle pourrait être utilisée après. Donc j'ai tiré avec nous dans la cour là-bas. Mais à peine on est arrivé là, que le char était à la porte. Et c'est là que nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. On arrive, il n'y a personne. Nous avons cherché une entrée, tout était fermé. C'est celui qui est parti taper à la porte et il y a un gardien qui est apparu. Et lui, il a dit, bon, rentrez, c'est ainsi que nous sommes rentrés. C'était une situation vraiment dramatique parce qu'ils ont passé tout le temps à vouloir défoncer le portail pour venir chercher le président Ouattara. Et ce que le médiateur dit, c'est une vérité. Chers amis, c'est une vérité. Pour nos enfants qui sont là et qui ont besoin de comprendre beaucoup de choses de cette crise qu'on nous a manipulé pendant des années. Je l'ai dit, notre génération ne doit pas trahir son combat. Le combat de notre génération, quel que soit le prix à payer, c'est de dire la vérité. C'est de dire la vérité. Une rébellion pour laquelle on a interpellé les gens. Ils sont venus, ils ont attaqué la RTI. Des gens sont venus attaquer la RTI sous Bambou en 2001. Boga Doutou, Lida Kwasi, se sont succédés sur les chaînes de télévision. Au Burkina, dans les stations, on les voit. Dans les feux où s'arrêtent, on les voit. Dans les hôtels, on les voit. Burkina, où eux, ils ont passé beaucoup d'années à Blaise. Et Blaise leur donnait 20 millions de francs CFA par mois pendant 20 ans. Mamadou Kouroubali même a fait sortir ça de sa bouche. Blaise était notre financier. Eux n'ont pas eu le courage d'aller s'asseoir à Blaise pour étouffer la rébellion. Ils sont, malgré qu'ils sont venus les attaquer, ils sont encore restés à Abidjan. Et la rébellion est rentrée. Moi, je vous ai dit que la rébellion de 2000, les gens créés voulaient ce cafouillage-là pour atteindre leur objectif. Ils ont atteint, non, Gueye est mort, non. Boga Doudou est mort. C'est Ouattara qui n'a pas été tué, par la l'onction de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, vous qui sautez là, calmez-vous. Les soros, les blégoudés, les quoi là, calmez-vous. C'est pas tout le monde en combat. Je vous ai dit que le président Ouattara n'est pas dans le système du faux poignet. Notre père avait des problèmes à un certain moment donné. Quand il a dit à son fils, quitte la BCAO, viens toi me sauver. Au fou, aller demander l'aide à Obabo, tout le monde, qui voulait aider au fou. Au contraire, les gens manipulaient au fou, les gens manipulaient les militaires pour faire sauter au fou poignet. Moi, j'ai vu des gens qui disent ici, Fologo sèche son habit là où il y a le soleil. J'attends souvent les gens dire ça. Et il y a des gens qui m'appellent, ah Zasso, on dit, tu es Fologo. Fologo sèche son habit, là où il y a ceci. Zasso, on dit, j'ai dit, mais ceux-là, ils ont été à l'école.
J'ai dit, mais ceux qui parlent là, est-ce qu'eux ont été à l'école? Est-ce qu'ils sont intelligents? Ceux qui disent ça, est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce qu'ils mangent piment? Est-ce qu'ils boivent l'eau? Un homme sensé, normal, ne peut pas tenir ce langage. Je vous rappelle que les Fologo là, c'était les financiers de Laurent Gbagbo. Autant tu veux boigner là, c'est les Fologo qui finançaient Gbagbo. C'est pour ça que quand Gbagbo a pris le pouvoir, il l'a mis au Conseil économique et social par reconnaissance. Par reconnaissance, Fologo là. Les Bédiers finançaient l'opposition pour chasser au feu Boigny. Les Bédiers qui sont là, ils finançaient l'opposition pour déstabiliser au feu. C'est comme ça que quand Ouattara est venu, ça leur a fait mal. L'arrivée du président Ouattara leur a fait mal. C'est moi qui vous dis, Fologo là, il était l'un des financiers du FPI. Gbagbo n'avait pas l'argent, il avait besoin de l'aide des gens, des 500 Kwawe, tout le monde. C'est les gens du PDCI même qui finançaient Gbagbo. C'est les gens du PDCI qui finançaient les cadres du FPI. Gbagbo, il avait quoi? C'est un simple professeur, il a quel argent? L'homme qui a raison, qui a jeton là, c'est Prado. C'est Prado qui a raison. C'est lui qui avait raison, c'est lui qui a jeton. Mais ceux là n'avaient rien. C'est les cadres du PDCI qui finançaient les Bédiers là, c'est eux qui finançaient le FPI pour déstabiliser. Vous voulez qu'on parle? Je vous ai dit ce que vous avez commencé, là, est-ce que vous pouvez terminer? Nous sommes les vivants, les survivants de la crise ivoirienne. Est-ce que ce que vous avez commencé là, vous pouvez terminer? Vous pouvez terminer? Qu'on Fologo sèche son habit, oui, il y a la pluie. Comme un homme normal, toi, tu peux aller sécher ton habit sur la pluie. Toi, tu es normal dans ta tête. Tu es normal. Toi, tu es... Mais il faut être fou pour que tu ailles sécher ton habit sur la pluie. Habit que tu as porté pour aller au travail. Habit que tu as porté, tu as le mettre ça sur la pluie. Mais il faut dire que tu as un problème dans la tête. Et il s'accroche à ce logo. Mais c'est les Fologo qui ont construit ce pays. Vous avez fait quoi? Vous voulez que nous, on soit à votre image? Je préfère ton image de Fologo. Parce qu'eux, là, ils ont construit ce pays. Eux, ils vous ont financé. Ils vous ont donné l'argent pendant des années. Vous faites quoi? Des égoïstes comme ça, des menteurs, des manipulateurs comme ça. Qu'on faut le gosser chez toi, tu es normal, c'est toi qui as séché ton habit sur la pluie. Si tu dis ça, mais tes enfants, quand ils t'écoutent là, ils disent, mais papa, tu fais honte, papa, comment tu peux dire ce genre de langage? Un père normal, une mère normale peut tenir ce genre de langage. Quand vous lavez vos habits, c'est sur la pluie, vous séchez ça? C'est sur la pluie, vous séchez? On vous dit, venez en parler de la Côte d'Ivoire, on change la Bible, on parle de notre pays, on dit, venez en parler du pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre intérêt personnel, c'est nous tous, notre pays. Qu'on est avec vous, c'est normal. Qu'on n'est pas avec vous, on sèche nos habits, on est au restaurant. On sèche nos habits, on est au restaurant. Donc hier, quand les gens étaient avec vous, là, vous étiez qui? Je comprends pourquoi vous avez perdu le pouvoir. Oui, c'est maintenant, je comprends. Quand je vous dis cela, ils ont perdu le pouvoir parce qu'ils sont malhonnêtes, on dit au moins. Ils sont malhonnêtes? Ils paient le prix de leur péché. Alors, on continue. Le président de la République parle. J'improvisais, ils assistent impuissants à l'invasion de la villa des Ouattara par l'escadron de la mort. Il s'en est fallu de peu. On les voyait, on assistait à tout ça. Et après, ils ont ramassé tout ce qui était dedans. Ils insultaient. On va le tuer aujourd'hui, il ne peut pas s'en sortir. On entendait tout ce qu'ils disaient. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait. C'est plus, c'est des voleurs en plus encore. Ils volent tous. Ils ont commencé à trouver la cave. Ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool. Ils étaient sous. Et puis, ils disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer. On va le chercher. Où est-ce qu'il est? Etc. Et ils commençaient à danser. Enfin, vraiment, c'était horrible. Des chants, on dirait c'était des sauvages. Pardonnez-moi le terme. Moi, j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. Ces gens-là sont purement et simplement des assassins. Quand les gens sont arrivés au début, le président Ouattara lui-même l'a dit dans la vidéo. Quand son chef de sécurité, Soro Jean-Baptiste, a dit au président, le président dit que mais moi-même, je viens d'appeler Lida Kwasi. C'est pour ça que Lida Kwasi, là, c'est ici en Europe, là, ici chez les Blancs, là, pourquoi les guerres là, ont pris fin? Il n'y a plus coup d'État, il n'y a plus... Parce que les vivants qui ont vécu la guerre,
il témoigne de façon honnête pour sauver les situations. Lida Kwasi qui devait nous dire la vérité. Lida Kwasi, lui, il veut se faire aimer par Babou. Mais c'est là Lida Kwasi devait se rendre grand. Même Noka te dit tu es traite, tu es vendu, mais tu le fais pour l'histoire. Tu le fais pour l'histoire. Lida Kwasi doit dire la vérité. Le président Ouattara, la femme de Gueye appelée Lida Kwasi, ça dit elle, elle a suivi la voie normale. Ils sont en train de tuer mon mari. Grand frère, ils sont en train de tuer mon mari à la cathédrale. Pardon, va protéger mon mari, sauve mon mari. Le président Ouattara aussi appelle Lida Kwasi, parce que c'est lui qui était le ministre de la Défense. On vous nomme pour nous protéger. On vous nomme pour avoir nos sécurités dans vos mains. Lida Kwasi, à son temps, le FPI était divisé. Il y avait l'armée de Simone Gbagbo. Il y avait l'armée de Gbagbo. Simone Gbagbo avait son camp. Elle décidait. Et son mari avait son camp. Et puis ça, donc c'était un désordre. C'était un bordel. C'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Boga Doudou, on n'a qu'à aller discuter. Les mêmes disent qu'ils ne veulent pas. Et ça arrivait en 2010. C'est ce qui s'est passé à la résidence de Baba en 2010. Quand je vois Blé Goudé, quand je vois Blé Goudé jouer ce jeu-là, moi, il me fait pitié. Je dis, mais frère, tu me fais pitié. Tu t'enfermes dans un truc tribal. C'est-à-dire le tribalisme, tu t'enfermes dans le tribalisme. Tu veux faire pleinement plaisir à tes parents bêtés. Ils n'ont qu'à t'aimer. Moi, je ne cherche pas à être président de la République. Moi, ça sort là. Mon combat, c'est que les régions de Côte d'Ivoire soient développées. Je ne cherche pas à être président de la République. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ici, on est dans un monde où chacun doit rester à sa place. Moi, je suis à ma place. Ma place, là, c'est de parler. Ah oui? La stabilité de mon pays, là, c'est ça qui va faire que les choses vont avancer. On va développer les régions de Côte d'Ivoire. Demain, quand on va mourir, là, chacun dira, ah, voilà ce qu'on a fait. Mais comme chez nous, tout le monde veut être président. Même ils sont minables, ils veulent être président. Comme si la Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Pays qu'on voit construire l'intelligence. Sorodi veut devenir président. Blé Goudé veut devenir président. Tout le monde veut être président. Ah. Après, on dit. On continue. Chers amis, on va terminer à la. On va venir à la 32e minute. On va écouter. Alors. Escalader le mur qui le sépare de l'ambassade d'Allemagne. En ville, le chaos continue. Les opposants sont recherchés, pourchassés, éliminés. Amadou Gon Coulibaly, proche de Ouattara et numéro 3 du RDR, est obligé d'user de subterfuges pour se cacher. On est à la, 25e minute. On va passer, on va monter un peu. Je suis revenu, il y a M. Tongara qui est venu vers moi pour me dire, ah, Soro, tu sais, le patron veut descendre parce qu'il pense que c'est lui qu'on cherche et que si lui on l'attrape, il va pouvoir sauver nos vies. Alassane a été tiré à son épouse qui allait se livrer. À un moment donné, nous étions 17 dans la maison. Moi, j'ai dit à Adama Tunkara, écoute Adama, c'est moi qui veux le tuer. Alors, tu sais, c'est très simple. J'ai tout réussi dans ma vie. Moi, je vais descendre. Ils vont m'assassiner. Et comme ça, vous aurez la vie sauve. Chers amis, c'est qui l'a dit là? Je vous dis ça dans mes vidéos depuis le début. Le président Ouattara. Son chargé de mission, son chargé de sécurité a parlé sur Jean-Baptiste. Le président voulait descendre pour se livrer. Parce que tout le monde était dans la maison. Il a décidé de se livrer, donner sa vie. Il dit, je préfère qu'on m'assassine, qu'on me tue. Et qu'on laisse la vie des autres. Ce qu'il dit là, c'est de la pure vérité. Et je confirme ça. C'est de la pure vérité. J'étais au Ghana. J'étais au Ghana avec des cadres pro-Babo. Domelo, Assouadou,
Stéphane Kipré, tout leur groupe de personnalités, on était au Ghana, j'ai entendu des choses. Si et moi, on ne s'entend pas là, ça coûte de sort, on ne s'entend pas aujourd'hui. Ça veut dire que je me suis rendu compte qu'on nous a tous trahis. Ils ont joué avec nous. Ils ont joué avec nos vies. Il y a certains mecs qui sont allés plus loin, qui ont dit non, Oufoué Boigny, ils ont dit à Gbagbo, non, on n'a qu'à faire coup d'état pour renverser Oufoué Boigny. Chers amis, c'est trop compliqué. Sortons de nos émotions. Le président Ouattara a décidé de se livrer. C'est le chargé de mission qui a dit, niette, tu ne vas pas te livrer. Un leader, là, il ne meurt pas. Un leader, tu dois te sauver d'abord. Ta vie, là, tu dois vivre. Parce que ceux qui sont venus, là, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est des démons. Ne tombe pas dans le jeu du diable. Moi, je dis ça toujours aux gens. Il y a des gens qui aiment défier le diable. Moi, je ne défie pas le diable. Ah non. Et je ne tombe pas dans le jeu du diable. Je ne tombe pas dans le jeu du diable. Il y a des gens qui disent, ah, il va venir. Non, fais pas comme ça. Calmez-vous. Laissez le temps à Dieu. Laissez le temps à Dieu. S'ils ne sont pas dans la vérité et qu'ils viennent vers toi, Dieu met des gens autour de toi pour te protéger. Le mal de Guéï, pourquoi ils ont eu Guéï? C'est parce que Guéï était dans la maison de Dieu où dans cette maison, il y avait des démons. Il y avait des démons qui ont trahi Guéï. Non, pour ne pas que Guéï parle demain, il faut profiter de la situation pour éliminer Guéï. C'est eux qui ont dit Guéï n'a qu'à organiser l'élection. C'est eux qui ont dit Guéï, tu seras candidat président puis Gbagbo est premier ministre. Ce sont les catholiques. Ce sont les catholiques. Quoi, on a annulé marche. Vous n'avez pas dit que vous étiez dans la vérité? Organisez marche, on va voir. Quoi, on a annulé marche, on a été menacé, on a dit mais ça. Chers amis, marche là, on allait faire ça nous tous ensemble. Je vous le jure, on allait faire ça ensemble. C'est quoi ce désordre-là? Tous ces gens qui sont morts dans ce pays, ça ne vous dit rien? Venez vous expliquer pourquoi vous avez livré Guéï. On vous demande, vous ne voulez pas répondre. C'est aux revendications des hommes politiques là, ces égoïstes qui étaient dans le gouvernement. Nous, on était ici quand Bédi et Soro étaient dans le gouvernement. Bédi et Soro ont partagé le gouvernement du président Ouattara pendant des années. 9 ans de pouvoir partager. Des tentatives de coup d'État seront impliquées au Burkina partout. Vous les prêtres, vous savez ça. Et vous voulez distraire les gens. Sous Ouattara, il n'aura pas l'impunité. On ne tolérera pas l'impunité. Nous allons nous battre pour ça. Chers amis, ils vont encore plus loin. Ils sont allés même à l'ambassade de France. Malgré tous ces efforts qu'on a fait, on a pris le président. Ils sont arrivés même à menacer l'ambassadeur de l'Allemagne. Vous voyez combien de fois les gens ne sont pas respectueux de certains territoires. Une ambassade, c'est un autre pays. Un soldat ne peut pas oser rentrer dans une ambassade. À la résidence de Gbagbo en 2004, quand j'ai été attaqué avec mes amis, j'ai dit à mes amis, rentrez à la résidence de l'Annonce apostolique, qui est non loin de la résidence de Mamadou Koulibaly. Mes amis sont rentrés dedans, la fessie est rentrée dedans, ils ont maté mes amis dedans. Regardez comment ils ne sont pas respectueux. Et l'Église n'a même pas condamné cela. Moi, Jean Coutois, voilà comment nous on a souffert. Parce qu'à un certain moment donné, on n'était plus d'accord à certaines choses. Quand tu n'es pas d'accord, on te frappe, on t'humilie. On ne joue même pas à ta vie. Ils vont même chez ton père, ils cassent tout. Ils cassent tout, ils s'en foutent. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on a vécu pendant des années. Et ceux qui ont bouché les réseaux sociaux ici. Et ceux qui ont bouché ici. Qu'on n'a qu'à libérer les prisonniers politiques, on n'a qu'à faire ça. Pays là, c'est pour vous ceux. Alors, chers amis, on va aller maintenant à la... On va terminer. C'est-à-dire que, généralement, le chef envoie les autres à la mort. Moi, mon chef, lui décide d'aller à la mort. Ce qui était la différence, vous voyez, cette partie me touche en revenant au cas Désiré Tagro. Revenons au cas Désiré Tagro. Ici, le président Ouattara dit, je me livre. Je veux mourir pour que vous ayez la vie. En 2010, quand il y a eu la crise, Boga Doudou, malgré que Laurent Gbagbo, et en 2010,
Malgré que Laura Gbagbo ait envoyé Afin Guessant, c'est Afin Guessant qui joue les hypocrites. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, juste moi, je ne le comprends pas. Gbagbo t'a envoyé à la résidence de l'ambassadeur de France. Gbagbo t'a envoyé à toi et à Alcide Djédjé, allez-y là-bas négocier pour qu'on arrête la guerre. Pendant que Alcide Djédjé et l'autre sont là-bas, il y a un groupe de personnes, ils se sont levés d'eux-mêmes, ils sont allés à la télévision pour dire qu'ils ont fait une bande, pour dire que ceux qui sont à la résidence, ce n'est pas Gbagbo qui les a envoyés. Et Gbagbo est assis là. Il est assis là. Et les gens décident autour de lui. Un chef d'État qu'on a mis à la tête de notre pays. Tu envoies des personnalités comme Alfit, Alcide Djédjé et Afi. Alcide Djédjé, qui est ton responsable à l'ONU. Ils vont rencontrer l'ambassadeur pour trouver des solutions pour que Gbagbo et autres ne meurent pas. Pour trouver des solutions pour calmer le jeu. Il y a un groupe qui se lève, ils se lèvent et disent non, elle, ils ne veulent pas. Et c'était comme ça. Voilà, c'est Gbagbo, on appelle Widi. Widi de maman. Widi de maman. On ne peut même pas respirer. Sur les réseaux sociaux, on ne peut même pas respirer. Quelqu'un qu'on manipulait, un chef d'État qui n'avait même pas de dignité, il ne savait rien décider. Il ne pouvait même pas décider. Il dit ça, d'autres disent qu'ils ne veulent pas. Il dit ça, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas. Souvent, si ce n'est pas son épouse, c'est le Damana Picasse. Souvent, même Blaise Goudé même. Blaise Goudé souffre beaucoup de ça. Mais comme lui, il dit qu'il soutient maintenant Soro, je l'attends encore, on n'a qu'à parler. Dites-lui que Zasso dit, lui, le RHDP, tu es pro-Soro. Je suis prêt pour vous tous. Je vous dis la vérité, je suis prêt pour vous tous. Il est RHDP, non? Moi, je suis pro-Ouattara. Voilà. C'est quand vous avez commencé, on va terminer. Un garçon, un Widi à la tête d'un pays. Tu dis ça, d'autres disent, ils ne veulent pas. Et puis toi, tu es assis là. Et tu as deux épouses. Une tête ici, une tête ici. Une t'amène ici, une t'amène ici. Et puis nous, on est là maintenant là sur la place publique. Oui, dis de maman. Oui, alors que là, ici, là, il y a un problème dedans. Chers amis, voilà là où on a eu le mal. À la télévision, à la dernière minute, on dit à Blaise Goudé, il faut aller à la télévision, tu vas appeler la jeunesse dans la rue. Blaise Goudé a vu dedans, il dit, lui, il ne veut pas. Et lui, il ne peut pas, cette fois-ci, là. Il a vu dedans, il dit, il ne peut pas. Des gens ont pris partout. Désiré, chose comme on appelle Désiré Tago, à la dernière minute, où les gens sont en train de mourir. C'est-à-dire, ce que Gbagbo pouvait accepter, lui-même, si c'était imposé au début, il n'aurait pas eu de mort. On envoyait des émissaires. Le président Ouattara même a dit aux gens, allez-y parler à Gbagbo. J'ai gagné les élections, il n'a qu'à laisser. J'ai eu 32%. J'ai eu les voix de Bédier, j'ai eu les voix de Mabri. Ça me fait plus de 50%, même 60%. Gbagbo, il faut laisser. Il y a un groupe qui dit, non, président Gbagbo, tu ne bouges pas. Moi, j'ai appris qu'à la dernière minute, Gbagbo se débattait maintenant. Il vient aller à maman. Mais les gens n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. On dit, tu ne bouges pas. Et puis, lui, il est assis là. Je suis allé voir Lida Kwasi, grand frère. J'ai dit, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Lida Kwasi dit, Zasso, le problème de Gbagbo, là, c'est son épouse Simone. C'est Simone qui était le vrai problème de Gbagbo. Elle est dure, cette femme. Je n'ai jamais vu une femme qui est dure comme ça. Je n'ai jamais vu une femme qui est dure comme ça. Son vrai problème, là, c'est Simon. Gbagbo a eu tous les problèmes à cause de Simon. Et il y a des gens qui sortent ici, ils insultent. Nadi Bamba. Mais je vais vous répondre un à un, vous, là. Je vais vous répondre. Si tu as ta mariée, quand tu n'arrives pas à te calmer, on va prendre une autre femme, tu vas diminuer nos stress. Il est où le problème? Il a pris sa deuxième femme. S'il a dit que calme le stress, si là-bas il est torturé, il dit ça, on dit on ne veut pas, il dit ça, on dit on ne veut pas, mais il est obligé de prendre une autre deux secondes femme, il est où le problème? Vous laissez Simone qui est à la base de toutes ces difficultés, et c'est là de vous insulter. Chers amis, il y a des choses qu'on sait qu'on n'a pas envie de parler. Ils sont allés faire bloc derrière Simone. Parce qu'on dit non, c'est Simone qui mobilise sur le terrain. Ah non, c'est ça votre combat. La vie de Gbagbo même ne vous intéresse pas. Quelqu'un qui était au palais, qui ne pouvait même pas s'exprimer. On doit l'attacher ses pieds partout, on l'attachait. Il ne peut même pas bouger. J'ai raconté Lida Kwasi, il m'a parlé chez lui à la maison. Chers amis, ce n'est pas tout on peut dire. J'étais au Togo avec eux. Ça fait pitié. C'est pour ça que je dis, après les élections de 2020, là, c'est moi qui ai mené le combat de Gbagbo. La libération de Gbagbo, là, je vais m'impliquer. Même si je dois me battre
pour aller dire me mettre en genou devant le président Ouattara, je le ferai. Parce que Babou a pris de l'âge. Mais comme il est orgueilleux lui-même, parce que c'est l'orgueil qui anime encore Babou. Ça dit tellement le diable continue d'être encore sous Babou, même assis sous Babou. Babou continue de suivre Bédi et Pisso. Tu essaies quelque chose, ça n'a pas marché, sois humble. Reconnais tes erreurs, crée tes conditions, tu vas préparer ta retraite. Et puis les autres vont continuer la lutte après. Mais tu veux que ça soit toi seul. Mais Babou doit demander pardon à Ouattara bientôt. Ah oui? Et bientôt la vidéo qu'on va faire là, c'est de dire à Babou, va demander pardon au président Ouattara. Parce que tu as fait trop de tort au président Ouattara. Les gens voulaient rester là-bas pour éliminer Ouattara. Et ce qui est grave, ils sont allés même jusqu'à chez l'ambassadeur de France. Après l'ambassadeur de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un autre territoire. Vous partez frapper la porte de l'ambassadeur. Faites sortir le président Ouattara. Mais c'était fort. Peut-être qu'ils n'ont pas tout dit dans la vidéo. Ils n'ont pas tout dit dans la vidéo. Mais c'était difficile, c'était insupportable. Eux, ils voulaient rentrer dans la résidence de l'ambassadeur du président. C'est comme ça, ils sont, je le connais. Ils voulaient rentrer pour aller prendre le président Ouattara. Ils n'ont pas tout dit dans la vidéo là. Mais comme c'est les grands frères là, ils ont caressé. Mais nous, on ne caressait rien. Parce que notre génération doit tout savoir. Ils voulaient prendre le président Ouattara. En bris même. Il a fallu l'intervention. Il a fallu que l'ambassadeur de France vienne. Et c'est ce que le grand frère Soro a dit. Il s'est couché sur le président Ouattara. L'ambassadeur s'est couché sur le président Ouattara. Suite à l'appel de Chirac. Suite à l'appel de Chirac. Rébellion qu'on pouvait étouffer. Vous êtes au pouvoir. Donc vous là, vous étiez fort. Et puis la rébellion a traversé la frontière. Les CKCK, les Togo Blé là, donc vous étiez fort, vous étiez une armée. Et les rebelles quittent jusqu'à, ils traversent depuis Ouangoloudougou, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils rentrent à Boaké, ils parcourent combien de kilomètres? Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas arrêté les Soro et ces rebelles là, les quoi? Vous n'avez rien arrêté. Mais c'est pour tuer les gens là, vous maintenant vous êtes gonflés. C'est-à-dire quand c'est pour tuer les gens, ils sont chauds. C'est-à-dire quand c'est pour nous tuer, nous les assos là, pour nous humilier là, ils sont chauds. Si tu les vois, mais on dirait de Woody. Déjà, c'est des comédiens. Des présentateurs comme ça, des gens qui quittent jusqu'à Ouangoloudougou. Ils rentrent en chose, ils viennent et tuent vos parents. Des comédiens comme ça. Ils sont quittés à chose, comprennent de la Mercedes noire. Ils sont venus, ils ont attaqué la RTI. Ils sont rentrés dans la brousse. Ils sont repartis. Ils reviennent encore, ils viennent s'installer à Boaké. Mais c'est un pouvoir de prostituer, c'est un pouvoir, c'est ça qu'on appelle toutou, c'est ça qu'on appelle les toutous, tout était trop facile. Excusez-moi les femmes, ça m'énerve maintenant. On continue. On va aller à la page, on va terminer. On va aller au numéro 40, j'ai bien noté hein. C'est pas sérieux. C'est notre président Ouattara, vous allez tuer. Regardez-moi seul. C'est le président Ouattara qui va vous allez tuer. Aujourd'hui, le pouvoir, au lieu d'être humble, vous sautez, vous sautez. Vous sautez, vous sautez. Là-bas, c'est lui, il est gentil. Lui, il a sauvé Babou. Lui, il est gentil. Il a dit, il a attrapé Babou. Il l'a amené à la CPI. Mais ça, c'est une autre vidéo. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Vous êtes allé le tuer. Vous ne l'avez pas eu. Les gens se sont battus. Ils l'ont protégé. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Et vous êtes là, vous sautez, sautez, sautez. Vous avez la chance. Si c'était un rôle, il y a longtemps, vous avez fermé vos bouches là. Vous touchez. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà fui. C'est quoi cette bêtise là? C'est quoi cette bêtise là? C'est-à-dire, vous êtes inconscient. Vous êtes inconscient. Tout le mal que vous avez fait au monsieur là, vous ne pouvez pas ouvrir même le corps de sa mère. Le corps de sa mère. Moi, Zasso, là où je suis là, j'ai tout du bois. Ma mère meurt, déterre son corps. Mais où on va rentrer là? On va rentrer là-bas. Où on va rentrer là? On va rentrer là-bas. Allez, déterrer le corps. Vous avez, votre maman là, sous Ouattara, l'a bien enterré. Sous Ouattara, la mère de Babou a été enterrée dignement. La mère de Babou a été enterrée. Elle était malade. Depuis, elle est partie au Ghana. Le président Ouattara a dit à Ahmed Bakayoko, va chercher la maman de Babou.
Ahmed Bakayoko a tout fait pour faire rentrer la vieille au pays. On va s'occuper d'elle. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils vont prendre la vieille pour faire politique. Ils ont vu vieille, elle a fait politique, faire politique. Moi-même, un jour, je suis allé saluer la vieille. On dit qu'il ne faut pas y rentrer là-bas. Parce que ils me connaissent. J'ai dit aux gens que si ils veulent, j'ai dit à la vieille que ton fils, ils l'ont mis en prison dans la CPI. Ils sont en train de te mentir. On dit, Zazo, tu ne vas pas aller là-bas. Donc, moi, ils ne m'ont pas reçu là-bas. Je leur ai dit ça. Je vais aller là-bas. Là, il y a un gym. Il y a un gym. Il y a un CPI. Il y a un bon. Il y a un bon. Ils ont menti à la vieille jusqu'à ce que Babou en voyage. Babou en voyage. Babou n'est pas là, il est en voyage. Maçon, je suis menteur. Et c'est des menteurs. De gros menteurs. La vieille, maintenant, c'est la vieille même qui se débat. Qu'elle a vu que ça a dit non, moi, je vais aller mourir au pays, c'est bon. On dit non, si tu vas Ouattara, va te tuer. Elle dit vous mentez. J'ai compris que ce n'est plus Ouattara qui est mon problème. C'est pas vrai, c'est vous-même qui êtes mon problème. C'est pas Ouattara. Tous mes parents sont encore au village là-bas. Ils viennent me voir. Ils envoient Placali. Ils envoient tout. Ils sont vivants. Mais vous dites toujours c'est Ouattara. Mais elle ne comprend pas. C'est-à-dire, ils ont tellement pris la vieille pour faire politique. La vieille est morte. Et la vieille est rentrée à Abidjan. Elle est tombée malade. Elle savait déjà son jour. Nos grands-mamans, là, ce n'est pas n'importe qui. C'est des esprits. Ahmed Bakayoko a mis une chose médicalisée à sa disposition. On l'enterrait dignement. Et eux, là, ils ont déterré le corps de la maman de Ouattara. Ouattara a enterré votre maman dignement. Vous, vous avez déterré le corps de sa maman. Vous êtes maudits. Oui, vous êtes maudits. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Et il y a des jeunes qui se sont livrés à ça. Il y a des erreurs dans la vie que la jeunesse ne doit pas commettre. Prendre parole des gens et puis faire de ça votre parole. Quitter dedans, c'est une malédiction qui tombe sur vos vies. On va terminer 41 minutes. Ce qui m'a frappé en l'homme, c'est qu'il n'a jamais paniqué. Il ne panique jamais. Je l'admire avant. Hein. Écoutez. Mais le président Ouattara, ce qui m'a frappé en l'homme, c'est qu'il n'a jamais paniqué. Il ne panique pas. C'est pour ça qu'on l'appelle Prado, brave tchèque. Lui, il ne panique pas. Quand Soro a fait son coup d'état à Boaké, quand Soro a manipulé les enfants, les jeunes là sont venus dire au président, si tu ne vois pas là, nous, on va te chasser dans peu de temps. C'était chaud. Moi, j'ai vu certains cadres même qui sont rentrés en brousse. Ceux qui sont dans la partie, les petits qui disent, non, ça nous a trahi la boucle. Continuez avec moi. Mais moi, je vais vous répondre un jour. Votre tour arrive un à un. Vous, les cadres du parti, là. Il y a certains qui sont rentrés en brousse. Certains étaient dans le jeu de Soro. Vous, quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour vous, il vous a tout donné. Il est au pouvoir et puis vous jouez le jeu de Soro pour le renverser. Pour l'humilier. Alors qu'il vous a tout donné. Alors qu'il vous a tout donné. Quand les gens jouaient leur jeu, Prado n'a pas paniqué. Chacun dit, nous avons 10 millions, 10 millions, avec 15 millions, 15 millions. On dit, ah, l'argent, la Prado va avoir ça où? Bédier déjà était content, la fille était contente. Ça dit, tout le monde pensait que le président allait tomber. Moi, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux ici. J'ai fait deux sorties fracassantes. Il dit ça ne va pas prendre. Je vous dis toujours que ça ne prend pas, ça ne prend pas. Les Soros m'ont insulté ici. Je leur ai dit, moi je connais Prado, ça ne va pas prendre. Je le connais. Je dis, le monsieur il m'a reçu face à face à deux. Je dis, lui là, vous ne pouvez pas. Il est serein. Il est serein. Moi quand il me reçoit, là, il n'appelle personne. Il dit, Zasso, viens toi seul. Il n'y a pas à faire d'intermédiaire comme les autres font. Ils aiment passer par les intermédiaires. Mais lui, il dit, tu es mon fils, viens, on va parler. C'est pour ça que, d'ailleurs, tout ce qui est arrivé, les gens sont allés faire papatoya, tout. Il leur a dit, il y a un ministre qui m'a appelé ici un jour. Il dit, non, Zasso. J'ai dit, vous êtes allé mentir au président. Mais le moment venu, là, je serai en face du président. Moi, je vais lui dire la vérité. Parce que vous, vous êtes des ingrats. Vous n'êtes pas sérieux. Ils sont allés mentir au ministre Ahmed Bakayoko. Ils m'ont entendu. Mais moi, je suis serein. Alors, chers amis, Prado panique pas. Prado a pris son téléphone, c'est le petit téléphone là. Voilà, lui il n'a pas son téléphone, il est petit comme ça. Il a appelé. Et tous ils ont vu, ils ont vu qu'ils pensent qu'il avait pris l'argent dans la banque, il n'y a rien, chacun préparait déjà son truc.
On doit débloquer la situation et verser l'argent sur compte là-bas. On va voir qui est qui. On a mis les milliards. Qui allait prendre? Qui allait prendre? Qui? On dit allez-y prendre l'argent là. Chacun coup fuit. On dit allez-y prendre l'argent. Vous n'avez pas dit c'est l'argent là où vous voulez dire c'était un coup d'État qui était derrière. C'est pour ça que ceux-là, on va les combattre. Soros, ces voyous de délinquants là. On va les combattre. Chers amis, ils sont allés à l'ambassade, ils sont allés à la résidence de l'ambassadeur de France. On va terminer par ça maintenant. 43e minute. Alassane est mon père. Donc voilà quoi. Bon, mais toujours pas. Donc il devait s'adresser à la nation à 9h du soir. Il est pratiquement minuit. Jour et nuit, ce sont des coups de téléphone incessants que passent mon père et Alassane Ouattara. Toujours à l'affût des dernières informations, des dernières évolutions politiques de la situation. On prend des nouvelles des uns et des autres, on s'enquiert des proches, restés sans protection en ville, de la violence qui se propage. On est arrivé un jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, et dans la nuit de vendredi à samedi, voici que quelqu'un m'appelle et me dit « Ah, mais monsieur le Premier ministre, votre résidence est en feu. » Nous avions un système de surveillance qui nous a permis de voir quelles sont les personnes qui l'avaient fait. Ils étaient 3 ou 4, sont venus avec des bidons d'essence. Ils nous ont arrosé la résidence vers 19h, 20h et vers 22h, ils sont venus et ils ont mis le feu à ma résidence. Je ne savais pas ce que dire au président. Quand je sais tout ce qui était dans cette maison, tous ces papiers, tous ces documents qu'il avait envoyés, il m'a dit « Adama, pourquoi tu fais cette mine ? » Il n'y a pas mort d'homme. C'est la vie qui est importante. Le matériel, ce n'est pas important. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise ce jour-là. Vous savez que la vie était importante. Mais dans une telle situation de souffrance, de détresse, la leçon m'est restée en tête et m'a servi quand j'ai appris aussi qu'ils ont mis le feu à ma maison. Dans un rapport d'Amnesty International de 2013, il est dit « L'imaginaire du peuple ivoirien est hanté par une succession d'atteintes très graves aux droits humains qui sont toutes demeurées impunies, en dépit de demandes répétées des organisations de défense des droits de l'homme pour que justice soit faite. Comme ici, où l'on parle du modus vivendi des escadrons de la mort, dans un... Le chef, j'avais donc la robe donc sur moi, et puis des pantalons rebondis jusqu'au genou. Et je me rends donc dans cet immeuble. Au moment de monter en gare, je vais... Et puis, bon, je veux monter, je vois des gens. L'ascenseur, il y a des gens. Bon, j'ai le sentiment que, bon, qu'on me reconnaît à un moment donné, donc j'en ai marre, j'ai dit, bon, je retourne dans la voiture. Je repars la voiture et là, le pantalon descend. Donc, il y a des gens qui me voient avec une robe de femme, un pantalon qui descend, et puis, donc, un poignet pour... Et ça avait tellement mal que j'ai carrément enlevé le bonnet. Je me dis, bon, mon bouquin, ça que c'est moi. Et puis après, c'est tout. Et puis, je marchais allègrement, je suis allé monter. Le premier ministre, c'était ce jour-là dans sa robe. Amadou Gokoulibaly, il avait cousu sa robe d'épouse. Il avait pris la robe de son épouse. C'était chaud, hein? C'était pas de l'amusement. C'était chaud. Le premier ministre avait cousu sa robe. C'était chaud. Ce jour-là, Soro, je ne l'ai jamais vu autant embêté. J'ai commencé à faire le tour de la maison pour voir s'ils arrivaient à rentrer, où est-ce que je pouvais cacher le président. J'ai tourné. La maison, il y avait une dalle. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de truc. C'est une dalle, tu ne peux rien faire, aller là-haut. Il n'y avait vraiment pas de moyen de cacher quelqu'un à un endroit. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Parce qu'il avait avec lui
son patron, son épouse. Il a fait le tour partout. Mais il n'y avait aucune place, il n'y avait rien à faire. C'est pendant que je tournais, je suis revenu, il y a M. Tungara qui est venu vers moi pour me dire, ah, Soro, tu sais, le patron veut descendre parce qu'il pense que c'est lui qu'on cherche et que si lui on l'attrape, il va pouvoir sauver nos vies. Alassane. Chers amis, merci à vous tous. Je pense que ça va éclairer beaucoup de personnes, permettre aux uns aux autres de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, c'est pourquoi dans mes vidéos, je suis beaucoup dur. Parce que moi-même, là, j'ai vécu ça aussi. En 2010, c'était la chasse à l'homme. Battons-nous. Battons-nous pour qu'il y ait justice dans notre pays. La justice, là, ça nous protège, nous tous. Battons-nous contre l'impunité, ça nous protège. Ce n'est pas une question d'amour, d'aimer Babo, d'aimer le président Ouattara, d'aimer Bédé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la vie de nos enfants. Nous-mêmes, nos frères, nos parents, c'est toutes nos vies. La rébellion de 2002 là, a fait du tort à des milliers d'Ivoiriens. La rébellion de 2002. Donc, tous ceux qui soutiennent Soro, je les combattrai. Je vous le jure, ceux qui soutiendront Soro, je les combattrai. Ils ont peur. On dit, ils ne font plus de vidéos sur moi. Dites-leur que je viens les provoquer chaque jour, on fait vidéo. Mais demain, on parlera du reste des audios. Oui, le reste des audios nous attend. J'attends toujours les audios de John Soro, l'intégralité que Soro nous a promis. Hier, il avait dit c'était telle personne. On dit, il vient de faire des modifications. Il dit que maintenant, c'est telle personne. Allez-y, dites à vos prêtres. Ils n'ont qu'à aller parler à Babo, Bédié Soro. Parce que c'est eux qui sont à la base de ce mal. Les bros grébés qui ont encouragé Babo, c'est les bros grébés là qui ont blagué Babo. Quand Laurent Babo a pris le pouvoir, nombreux cadres du FPI ont dit à Babo, attendons-nous. Ouattara là, il a été beaucoup pour nous. Le président Ouattara a fait beaucoup pour nous. Moi, il y a des cadres FPI qui m'ont dit ça. Ils disent, Zassou, on ne peut pas parler, on a mal. Zassou, on a mal. On ne peut pas parler. On a fait asseoir Laurent Gbagbo, on dit, mais le président Ouattara, il t'a tout donné. Tu ne peux pas être au pouvoir et puis on va encore humilier Ouattara. Bédié l'a humilié, Gueye l'a humilié. Toi, Gbagbo, encore, tu viens, tu es dans le même jeu. Ça servait à quoi? Heureusement, vous ne pouvez pas le tuer. Alors, nous allons magnifier le Seigneur. On va magnifier Dieu, le Tout-Puissant. Tu seras élevé, monsieur le président Alassane Ouattara. Je voudrais encore dire merci aux Ivoiriens. La vidéo, l'intégralité sera sur ma page. Publiez la vidéo, envoyez à tout le monde. Amenons les uns les autres à tout comprendre. C'est important pour nous tous. Battons-nous surtout pour la justice. Luttons contre l'impunité. C'est dans notre intérêt à tous. Merci à mon grand frère Soro Jean-Baptiste. Merci à ceux qui ont produit, qui ont mis cette vidéo à notre disposition. Merci aux réalisateurs et tout le monde. Merci à Venance Kona et tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Merci à Soro Jean-Baptiste. Merci Soro Jean-Baptiste. Dieu vous avait choisi ce moment-là. C'est que Babo n'a pas eu. Lui, il était au palais. C'est une femme qui décidait. Il n'y avait pas de chef de sécurité autour de lui. Lui, tu pouvais dire, Babo, tu as perdu. Ils vont l'attraper, ils attrapent Babo, on le met dans la voiture, puis on va avec lui. Et puis on dit, Babo, alors, maman, il n'a pas eu cette chance. Autour de lui, là, c'est quand la femme finit de parler, c'est fini. Moi, j'ai toujours dit, un homme, là, c'est nous qui marions la femme. Ce n'est pas femme qui va contrôler. Les grandes décisions reviennent à l'homme. Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas écouter nos femmes. Mais les femmes doivent toujours comprendre que là où il y a les grands débats politiques, elles doivent quand même faire profil bas. On ne va pas arriver là. Mais Babo a marié deux bandites. C'est des bandites, les femmes-là. C'est des bandites. Elles n'écoutent pas.
Elle sait, elle est consciente que son mari n'a pas gagné les élections. Son mari a eu 38%. Elle n'est pas prête à écouter Babou. Aujourd'hui, elle a mis qu'elle insulte Nadi Bamba. Mais si un homme, il allait prendre deuxième femme, il sait pourquoi elle a pris deuxième femme. Vous l'accusez pourquoi? Il sait. Allez-y demander à Simone qu'est-ce qui s'est passé à la résidence. Si vous voulez connaître les choses, allez-y lui demander. Elle est maintenant là, non? Elle dit elle est chrétienne, non? Allez-y demander à Simone qu'est-ce qui s'est passé pour que Babo se retrouve là. Il ne s'agit pas d'insulter le président Ouattara. Il ne s'agit pas d'insulter le RDR, d'insulter le RHDP. Non. Allez-y demander à Simone qu'est-ce qui s'est passé. Faites asseoir les deux femmes. Vous faites asseoir Nadi Bamba. Vous faites asseoir Simone. Parce que Nadi Bamba aussi, elle a son organe de presse qu'on appelait le temps LG. Chaque jour, ça insultait. Des organes de presse qui n'aidaient même pas Babou. Des organes de presse qui n'aidaient même pas Babou. Des journalistes chaque jour, Ouattara comme ça, Ouattara ceci, Ouattara cela, Ouattara comme ça. Je vous ai dit, ce monsieur-là, il a fait fort monnaie internationale. Il est très puissant. Il n'a rien à voir dans votre système. Il est dans la vérité. Plus vous êtes dans le faux, Dieu va vous frapper. Et Dieu les a frappés tous. Moi, je connais Dieu, je suis croyant. Rejoignez-nous dans la vérité. Sortez du mensonge, sortez d'une obscurité. Sortez d'une obscurité et revenez à la lumière. Chers amis, alors moi, allez. Merci. On va dire encore grand merci. Alors, je vais dire merci au chef de l'État, au président de la République, son Excellence. En tout cas, nous, on remercie Dieu parce qu'il a permis que vous soyez là. Continuez d'être toujours serein. Continuez de gérer la Côte d'Ivoire. Nous, nous sommes à votre disposition. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec vous. Nous sommes vos enfants. On est avec vous. Nous, on est serein. On est serein. Ils n'ont pas dit on bouche. Nous aussi, on a bouche. Ils n'ont pas dit on bouche, nous aussi on a bouche. Ils n'ont qu'à compter sur nous. Voilà. En tout cas, président, nous, on compte sur vous, continuez de faire fort travail. Rangez nos villages, nos villes, faites les ponts, les échangeurs, les routes, développez la Côte d'Ivoire. Et puis canalisez-les. Canalisez-les. Ne jouez pas avec votre pouvoir, monsieur le président de la République. Un pouvoir là, c'est Dieu qui vous a donné. Malgré toutes les humiliations que vous avez connues là, Dieu vous a mis au pouvoir. Bédier Babo sera là. Ne jouez pas avec eux. Hein. Ils vont venir eux là, mais ils vont venir s'incliner. Amenez-les à s'incliner eux-mêmes. Faut pas, ils vont vous imposer leur dictature. Voilà. Faut pas, ils vont vous imposer leur dictature. Amenez-les à vous à s'incliner. Si la justice doit frapper Bédier, ça n'a qu'à frapper Bédier. Les sentiments là, sortez de ça. On n'est pas dans un débat de sentiments. Bédier sait ce qu'il a fait dans ce pays. Il faut qu'on amène à canaliser Bédier. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, Zasso, je vous remercie. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour un gloire. Non, c'est pas ça. Je veux
Ma fille Kossa Sanogo, soyez salués en ensemble. Vous doutez, attends. En ensemble, que Dieu vous bénisse.